Et du coup, on va se rendre directement vers le repère de Pain. Bah ouais, non, tirez-vous, sincèrement, ça me fera moins de boulot. Hein. Ah, attendez que je me repère. Ah oui, c'est là-bas, d'accord. Je l'ai cette tour, non? Non, je ne l'ai pas. Par où on la débloque? Non, sérieusement, par où on la débloque? Je crois que tu as pris la bonne décision. Reconnaître que l'on est vaincu est la première étape vers la progression personnelle. Ouais, ouais, tout ça, progression personnelle, tout ça. Non mais vraiment. Pas une entrée. Non, parce qu'il y a un mec là, mais je pense pas qu'il ait grand chose à voir avec l'affaire. Même si dans le doute, voilà. Hop, plus de flingues et plus de flingues. Bonjour messieurs. Ah, je suis la nuit, hein, je suis la justice, je suis la vengeance, je suis Batman. Tranche ce que tu veux, mec. Tranche ce que tu veux. Us, voilà, slow motion. Bien le bonjour. Fais attention, c'est du vandalisme ce que tu fais. Tu rentres dans les conduits comme un rat d'égout. Exactement. Rien d'étonnant. Il y a une boîte à fusibles dedans. Il faut que je puisse la surcharger de courant. Diriger ce machin doit demander une bonne dose de concentration. Je suis malade. Bâtard. Voilà, easy. Présente-lui tes excuses. Pardon. Je crois pas. Mais comment c'est? J'étais sûr que tu allais échouer. Tu es trop chanceux. Oui. Il faut que tu arrêtes ça. Que j'arrête quoi? Le nettoyage des rues? Le coup de pouce pour que le GCPD fasse son boulot? L'éradication de la corruption? Il y a un de ces sujets avec lequel tu n'es pas d'accord? Dis-moi lequel. Tu utilises les données que tu as volées pour faire chanter les gens. Et le travail est fait. Et c'est certainement moins violent que les raclés que tu as d'ordonné. Réfléchis. Question de point de vue. Voilà, bon bah ça c'était pour le principe. On va pouvoir retourner
à tout ce bordel. Un sniper, évidemment. Deux snipers. C'est trop d'honneur. Oui, Bird, il ne devrait pas être là pour m'aider. Moment délicat. D'accord. Je voulais juste... Tu crois qu'il prendra d'autres volontaires pour les têtes? Je suis le troisième. Bonne chance à toi, mi hermano. Avec un peu de chance... La formule sera parfaite quand tu l'utiliseras. C'est Bane qui décide de ma vie. Ce sera un honneur de la lui offrir pour sa cause. J'espère que tu gèleras pas avant d'avoir eu cette chance. LOL. Saloperie de ville. Ah, l'humour hispanique. Tant de possibilités. Aïe! Calmez-vous! Feliz Navidad! Feliz Navidad, joyeux Noël! Mais ferme ta gueule! Voilà! Non. Générateur de phrases espagnoles, quoi! Ah, cumpleaños feliz! Tiens, d'ailleurs. Non. Petit niveau. Parce que c'est rigolo. Ici y a personne. Ok. T'enlèves mais. Ah oui, parce que je me disais comment ils font pour rentrer eux. Ok, il y a 5 mecs en bas. Ça a l'air d'être tout. T'es fini entre nous. Oh putain, je suis tellement désolé. C'est un nouveau défi. Bonjour. Non, tu te tais. T'es un minable, pendejo. Pourquoi je perds mon combo à chaque fois? Ça veut rien dire. Faut le choper. Oh oui, chope-moi. Voilà. J'ai l'impression que c'est le coup de foudre. On dirait que je suis coincé. À moins que... je pourrais utiliser ma grenade collante pour faire un radeau. Oh oui! Mais il ne se colle pas les pieds. Hein. Ok, c'est parti. Ah bonjour messieurs. Non. Ça, c'est... pas mal pour un Américain. Vous êtes raciste, hein.
On va l'avoir. Ah putain de bordel de merde. Dès que je fais le coup de cap, je perds mon combo quoi. Ah, d'accord. Je suis. Calmez-vous bien. Putain de système de combat mal débugué quoi. Ça veut juste rien dire. Alors dans les autres Batman Arkham, quand je perds un combo, c'est que je fais de la merde. Char est quelque part dans les parages, ce qui veut dire que Bane est sûrement là aussi. Une partie de ses recherches a pour but de l'aider à surmonter sa propre addiction et dépendance au venin. Il ne peut pas survivre sans. Très impressionnant. Mais on dirait que Bane n'a pas trouvé comment contrer les effets secondaires que ce composé a sur les zones de la mémoire. Tiens, certainement des données ici. Eh oui. Ah putain. Projet TN1. On dirait que Bane teste une nouvelle forme de venin. Quoi que ce soit, c'est ça qui a dû causer les modifications physiologiques que j'ai constatées sur le cadavre. Oui, certainement. C'est une grosse installation, ça, quand même. Ce que n'importe quel méchant aurait pu faire depuis 10 000 ans. Essayer de comparer les fréquences de voix de Batman, mais non. Alfred, Ben sait qui je suis. Vous êtes en danger au manoir Wayne. Entendu. J'appelle la police. Non, je ne peux pas prendre le risque qu'il découvre aussi mon identité. Enfermez-vous dans la Batcave. Qu'allez-vous faire, monsieur? Je vais venir vous rejoindre. Je vais vous casser la gueule. Je dois retourner à la Batcave, et rapidement. À la vitesse de l'éclair. Si possible. Oula, c'était quoi ce petit écran noir bien dégueulasse. Je répète, le suspect est à bord d'un jetpack et il est armé d'un lance-flamme. Plusieurs otages sur le premier prix. Firefly. Il doit savoir que le Joker est en prison. Et il met ses gens en danger pour pouvoir m'atteindre. Delta 6-5 à centrale. Qui est l'agent responsable sur le pionnier? Le capitaine James Gordon est l'agent responsable. C'est vachement le moment, quoi. Ravivement qu'on ait la tyrolienne. Beaucoup de vies peuvent être en danger sur le pont. Si je peux pirater le canal de communication de Firefly, je pourrais en savoir plus. Oui, alors que Alfred, on s'en bat les couilles. Et si les pics essaient quoi que ce soit, tuez quelques otages. D'accord.
Attends, combien de temps pour déclencher les minuteurs sur les bombes? Pas avant que Batman arrive. On attendra toute la nuit s'il le faut. Il y a 50 millions de dollars en jeu. Alfred, Firefly a des otages sur le Pioneer Bridge. Je dois m'occuper de lui avant de revenir. Vous pouvez laisser la police s'occuper de Monsieur Linz. Surtout à la lueur de ce que nous venons d'apprendre. Je ne peux pas abandonner les otages. Ils sont en danger à cause de moi. À cause de la prime que le Joker a mise sur ma tête. Vous ne craignez rien dans la Batcave. Ah bah non, je pouvais faire ça en fait. Mais comment ça se fait que... Oh mais qui est con? Qui est con putain? Voilà. Putain mais des fois je me frapperais. Hein. Franchement des fois je me mettrais des patates. J'arrive Alfred, hein, mais j'ai juste 2-3 trucs à faire, genre choper des collectibles. Déjà. Et puis arrêter un psychopathe pyromane. Mais j'arrive, hein. Promis. Sous peu j'arrive. Ils m'ont pas vu. Putain, je suis passé au-dessus de leur tête. C'est beau. Moi, je trouve ça beau. Voilà, on fait les sauts ratés. C'est important de faire des sauts ratés de temps en temps. Ça permet aux gens de... Hein, voilà. De ne pas s'habituer à du powerplay tout le temps, parce que c'est vite chiant le powerplay, après c'est vrai que, voilà. Au bout d'un moment, quand c'est trop stylé, on s'emmerde. C'est connu. Voilà, tu te tais, tu dors. Parce que moi j'ai pas le temps de m'occuper de vous, là. Oui, mettez-vous en position. Je dois attirer Firefly loin du pont pour pouvoir approcher sans danger. Ces hommes dans un piège. Centrale, ici Marine 4. Où est le poste de commande tactique? On est censé obéir à Gordon. Le poste est dans le pilier central, à la base du pont. 10-4. Ah bah non, mais moi je voulais te surprendre et tout. Espérons que Gordon donne l'ordre d'envoyer le pilier. Non, mec, vaut mieux pas espérer ça, crois-moi. Brandon. Boum, 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 boum. Faites chier. Oh putain, ce coup de rambarde. T'as le bonjour de l'architecte. Hein.
Voilà. Tout ça parce que moi je voulais embûche tranquillement le mec, voilà. Comme un ninja, mais non. Mais non, pas le droit, quoi. Pas le droit. Pas le droit de la baiser. C'est un flic, Harvey. Il fera son boulot. Sierra 9, vous êtes en... N'envoyez pas vos hommes. Firefly a garni tout le pont d'explosifs. Montrez-vous! Prenez la Gordon en place, on attend vos... Allez-y! Non! Rappelez-les! Si Firefly fait sauter le pont, il y aura d'innombrables victimes. C'est à cause de vous que les gens sont en danger. Il fait ça pour la prime qu'il y a sur votre tête. Vous devez vous rendre! Je vais aller chercher Firefly moi-même. N'envoyez personne tant que je ne donne pas le feu vert. Vous allez rester en dehors de ça! C'est compris! En même temps, voilà, Branden, c'est un peu un connard. Locomotive. Garde de côte. Ah, en voilà une bonne décision, pour une fois. Je crois qu'il y a des trucs de le mystère quelque part, ouais, genre là. Mais la flemme. Ah bah non, même pas. Bon bah on s'en fout. On est obligé ? Ok. Ça me rappelle le truc avec les deux ferries dans The Dark Knight. Je dois interroger un de ces gardes pour savoir combien de bombes Firefly a posées, ainsi que leur position. Qu'est-ce que vous allez faire de votre part ? Quoi ? Je vais m'acheter un bateau. Oh, le con ! Un bateau ? Les ennuis commencent. T'as rien vu. Genre les grenades directes. Ah bonjour. Non, t'as rien vu du tout. Mais alors, rien du tout. Maintenant c'est bon, il n'y a plus le brouilleur. Il a disparu dans la fumée.
Hop. Hop. Tu n'as rien vu. Tellement aveugle. Voilà, ils sont encore 4. Merde, il y en a là-bas. Est-ce qu'il y en a un qui va descendre? Oh oui, bonjour. D'accord, c'est bon, je me rends. Facile. Bonjour monsieur. Oh bah t'es beau toi. Combien y a de bombes sur ce pont? 4. 4. Une ici. Une directement au-dessus de nous. Au niveau inférieur du pont. Et une à chaque extrémité du pont. C'est les plus grosses. Et c'est tout, je te jure. Et je te jure que tu vas bien dormir. Patate de forain. 4 bombes sur le pont, avec les plus grosses à chaque bout. Je vais devoir désamorcer cette bombe avant de m'occuper des autres. Putain, 20 secondes. Pyromane. Explosif. Je sens les signaux de des bombes. C'est beau. Inflammable. Easy. Une bombe en moins. Je dois trouver les 3 autres. Alors, on va quand même prendre un niveau. Le double batarang. C'est rigolo. Ah, on peut ici aussi. Ah non, ça se débloque tout seul, d'accord. Alors la map. Ok, donc il faut que je remonte de toute façon. Que je remonte ou que je repasse par là-bas? Ça m'a l'air d'être pareil. Alerte, alerte. Tout le personnel doit évacuer. Je vais passer par là-bas. Tout simplement parce que je ne suis pas encore passé par là et que c'est certainement par là qu'il faut passer. Je crois. Oui, prenons l'ascenseur. Il y a des terroristes partout avec des bombes. 5-2, commandant. Notre cible a touché une conduite de gaz avec son lance-flamme. Incendie du côté nord. Ah, GG. Bon sang. J'enclenche la porte coupe feu dans cette partie pour protéger les otages. Je vais peut-être par contre. Je ne peux pas. C'est génial. C'est génial. Ah,
Vous ne me tuerez certainement pas. Mais... Bam. Us. Tu vas rester planté là? Libère-moi! Vous vouliez la prime qu'il y a sur ma tête ce soir. Ça n'a jamais été Sionis. Le Joker a mis la prime. Et maintenant il est en prison. Il paraît, mais j'ai encore des comptes à régler. Tu as rien du tout. Je vous libère pour le reste de la soirée. Non mais sérieusement. Oh le mec. Bon bah écoutez les gens. C'est ici qu'on va se quitter. Et on se retrouvera la prochaine fois pour, eh bien... essayer de mettre Firefly en zonzon. Voilà. Donc je vous fais des gros câlins, des gros bisous. Surtout des battes. Bisous. Et on se retrouve la prochaine fois. Allez, salut à tous. Bye.